Ce résumé vous est présenté par FedEx. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Romelu Lukaku avec ce petit tour là sur lui-même de Mason Mount, c'est superbement bien fait avec Lukaku. Oh, il ne marque pas. Lukaku pour s'appuyer là sur Werner, c'est pas mal fait. Werner encore, Werner pour donner sur la droite, le centre, est-ce que la frappe de Lukaku file au fond? Non, oh là, ça a été contré, l'arrêt d'Alin. C'est cette frappe de Romelu Lukaku du pied gauche. Avec ce ballon de Thiago Silva dans la boîte, ça monte très très haut. Faut pouvoir peut-être essayer de remettre ce ballon au sol. C'est toujours pas le cas. Lukaku pour se retourner, du moins pour tenter de le faire. Et là, Thiago Silva dans le paquet. C'est goal. C'est goal. Andreas Christensen. Ça devait finir par tomber, hein. Ça c'est certain. Nette domination de Chelsea. Et cette fois-ci, ça rentre. Andreas Christensen, le Danois, pour faire 1-0. Allez, peut-être une nouvelle situation avec Lukaku qui parvient à se retourner. Lukaku pour frapper ou pas? Oh là là, le passage en force de Romelu Lukaku et le pénalty. Il est allé le chercher. Comme un grand. C'est parti. Oh là, en plein milieu. 2-0. Dalin avait plongé. Malheureusement pour lui. Et sauf miracle. Mais je n'y crois pas quand on voit le langage corporel de la grande majorité de ces joueurs à Malmö. Mais ce match est déjà plié. 2-0. Kanté, voilà un troisième maintenant. Non, 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 décidément, Havertz. Cette fois-ci, pour tenter du droit d'Alin, pour empêcher ce troisième but. Y aura-t-il des changements dans l'attitude à Malmö? C'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une équipe quand même qui qualitativement est capable de mieux avec le contre et ces ballons qui rentrent ou pas. Ouais, via le poteau. 3-0. 3-0. 2 minutes à peine et Havertz passe par là. Eh bien dites-moi, il n'y a rien qui change dans cette seconde période. La défense de Malmö toujours en grosse difficulté. Un peu, suffira pour aller marquer peut-être le quatrième maintenant. Ça serait énorme si ça va au fond. Oh, ça passe à côté, Rudiger. Et pénalty. Pénalty sur Rudiger. Jorginho, très concentré, bien décidé de marquer son deuxième but dans ce match. Jorginho, et voilà. Même endroit, même efficacité. Autant ils peuvent être très souvent deuxième sur le ballon et parfois loin de leur homme, autant dans certains duels, ils placent le curseur beaucoup trop haut, les joueurs de Malmö. Toujours un déséquilibre dans ce qu'ils font, avec la frappe de Kanté qui passe au-dessus. Et le sourire n'est jamais très très loin en ce qui concerne la pépite française. Voilà,
cette séquence qui est magnifique. Jorginho, si ça va au fond, c'est splendide. Et ça va au fond, non, il y a faute. Allez, les bottes, coup de coin en seconde zone. Ça n'aboutit pas au final. Le coup de tête de Mason Mount. Ce résumé vous a été présenté par FedEx et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.